Nous sommes des travailleurs victimes de la non-application de l'article 11.5 du Code du travail qui stipule que tout prêt de main-d'œuvre à but non lucratif est autorisé et tout prêt de main-d'œuvre à but lucratif s'inscrit seulement que dans le cadre du travail temporaire. Le travail temporaire ne dure que 6 mois total et maximal. Une fois que les 6 mois sont dépassés, le travailleur est censé être embauché par l'entreprise qui l'utilise. Nous avons saisi le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale depuis 2017. Il n'a pas eu de suite favorable. Et en 2020, nous avons aussi saisi une fois de plus le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Ce que nous reprochons à nos employeurs, c'est purement et simplement la non-application du Code du travail ivoirien. Le cas des travailleurs de Carena et de Petrosi Holding est un cas qui fait beaucoup de bruit par rapport à l'attitude de leurs employeurs, c'est tout. Mais il y a ceux qui sont au travail pour lesquels nous sommes devant le cabinet du ministre. Mais quand vous faites une réclamation de 2020 à maintenant que vous n'avez pas de réponse, c'est le sens de la réclamation. La présence aussi aujourd'hui, non seulement c'est d'attirer l'attention sur l'autorité, sur des situations majeures, nos revendications, qu'ils soient devant l'autorité ou qu'ils soient à côté de l'autorité, nous les remettons sur la table.